écarté le centre au second poteau. Il n'y a personne. Ballon qui va être récupéré par les Hollandais et même par Lucas Touzard. Très bon début de match là des Lyonnais qui sont très bien rentrés. Le centre de Lucas Touzard. Il n'y avait personne. De Ligt qui a trouvé au milieu de terrain Van de Beek. Le ballon pour Cerny sur le côté droit face à Jehan Kalulu. Le crochet et le centre pour le numéro 10 hollandais Van de Beek qui n'a pas pu se défaire du marquage de Johan Martela. Le ballon dégagé en touche par ce même Johan Martela s'est joué rapidement par l'équipe hollandaise. Avec cette fois-ci Romain Del Castillo. Là, il va obtenir la faute là. Romain Del Castillo pris en sandwich par deux joueurs de l'Ajax. Mettre avant de dégager et de trouver Gédéon Kalulu sur le côté gauche. Il passe la ligne médiane là, le défenseur lyonnais. Il s'appuyait sur Gaëtan Perrin. Il y a peut-être quelque chose à faire là avec la frappe de Martins Pereira. C'est dégagé directement sur Gédéon Kalulu. Il va passer avec un petit peu de réussite là, Gédéon. Ce sera finalement une touche pour les joueurs de la. Un peu plus âgés, on va dire. En l'occurrence, l'OL a pu faire appel à Mokhtar Diakabi qui n'est pas présent, mais aussi à Romain Del Castillo. Pour renforcer son effectif. Voilà, toujours dans les pieds hollandais. Le centre et nouvelle tête, cette fois-ci de Lucas Touzard. Le ballon qui n'est pas définitivement dégagé avec la frappe lointaine là. Signé Cerny. C'est très loin du cadre. Mais première pour Romain Del Castillo. Encore au premier poteau. Et c'est dégagé sur la ligne par la défense hollandaise. Et encore une situation très chaude là pour les Lyonnais. Une fois de plus sur coup de pied arrêté. Revenir derrière. On va venir maintenant sur le côté droit avec Zifuik. Il a écarté pour Cerny. Cerny qui déborde, qui sollicite le 1-2 là. Avec Van de Beek. Ça n'a pas fonctionné. Timothée Cogna qui va pouvoir centrer. C'est contré. Elouel qui récupère une nouvelle fois le ballon. Dès le côté droit, là, Jordi Gaspar qui a tenté d'alerter Timothée Cogna. Mais Van der Beek intervenu. Le ballon là. Bien sorti par Gédéon Kalulu. Le centre au point de pénalty. Attention au numéro 9 d'Holberg. Voilà, très grand l'attaquant de l'Ajax. C'est pas terminé. On essaye d'insister. Attention à ce ballon-là. Allez, l'OL qui veut insister là. J'ai donc eu la touche. Alexandre Roselli en milieu de terrain. Le long ballon. Ce ballon, c'est dommage là. Et attention au contre avec Van de Beek qui a trouvé Cerny. À nouveau Van de Beek. Cerny à nouveau, c'est bien fait ça de la part des Hollandais. Petit 1-2 et attention à Van de Beek. Il est passé dans le dos de Gédéon Kalulu là. Il rentre dans la surface. Le centre est là, frappe et ça fait 2-0. Sa qualité technique. Ça risque d'être compliqué. Allez, Del Castillo, c'est bien fait ça. Dommage de la part de Romain Del Castillo. Attention à ce nouveau ballon là, ce nouveau 1-2. Et la sortie de Stanis. Directement au point de pénalty, pourquoi pas la frappe d'Elisha Ouzou. Il a été vite cerné là, le défenseur lyonnais. Impossible de frapper. Il va partir sur les côtés gauche, mais c'est bien défendu de la part de Cerny. Kalou le 1-2 avec Martela. Le ballon, le centre contré. À nouveau Martela. Au 25 mètres, il a cherché le 1-2 avec celle de Kalulu à l'instant, celle de Cogna tout à l'heure. Allez, Gaëtan Perrin sur le côté gauche, il va essayer de passer en vitesse. Mais il a Mia qui n'a pas pu prendre le meilleur sur Zifuik et finalement c'est Van Bladeren qui va dégager ce ballon loin devant. Et ce serait une touche pour le ballon entre Van de Beek, Nouri
Mais c'était très propre. Nouri à nouveau avec Zifuik. Quelle aile de pigeon là, signé Romain Del Castillo. Ça ne suffira pas à récupérer le ballon. Il a évité la touche et attention à ce nouveau ballon pour Cerny sur le côté droit. Et encore une petite combinaison sympathique là. Chercher Dolberg, mais Roselli a dégagé ce ballon. Le ballon toujours dans l'air de jeu. Avec une touche pour l'OL. On va certainement rentrer au vestiaire sur jusqu'au bout. Avec un groupe toujours très relevé. Mais en tout cas, il y a de très très belles échéances pour ce groupe. Avec le championnat, avec la... Il y en a d'autres qui ont trouvé quelques stratagèmes en grimpant sur des pylônes pour suivre cette rencontre. C'est dire l'intérêt des supporters lyonnais pour cette équipe et cette compétition. Alors on a attribué le but à Bergsma. On a vu que De Ligt avait également levé les bras. De Witt qui alertait là-bas Cerny sur le côté droit. Ce sera finalement une position de hors-jeu pour le numéro 7 de l'Ajax de revenir dans ce match. Martola avec Kaloulou qui a manqué son ballon là. C'est bien rattrapé le défenseur lyonnais avec Martola. Le 1-2, ça a bien fonctionné. Et Lucas Touzard. Oussama Aouar à nouveau cherche une solution, il va la trouver avec allez, deuxième tentative pour Del Castillo qui a tenté le crochet un petit peu gourmand là, le numéro 11 de l'OL. Et ça se chauffe, attention, ça se chauffe là-bas. Ou attention entre Gédéon Kaloulou et Eva Klein. Après-midi compliqué pour l'OL. Le débordement d'Elisha Ouzou qui va malheureusement perdre le ballon. Il y avait de bonnes intentions là dans cette action. Le ballon maintenant pour Van de Beek. Il a trouvé là sur le côté. Compétition où le Real Madrid fait figure de grand favori. Préparation, il n'aura pas eu de chance là, le milieu de terrain lyonnais sur ces deux opportunités. Et attention, contre là, ça va à 100 à l'heure. Il y a un 3 contre 4 à jouer pour l'Ajax avec Dekker sur le côté gauche qui a patienté, qui a centré au second poteau. Ouais, ça va être compliqué ça pour Kitala. Et le ballon qui va finalement terminer en touche après ce duel pour Oussama Aouar. Et la remise en jeu d'Oussama Aouar justement. Et bien pris là à nouveau par Cerny. Et attention parce qu'il y a un joueur à terre là au milieu du terrain. Le Bongo, Martola à nouveau qui va remonter cette balle. Mérite pas pour autant d'être aussi sévère. Mais on reconnaîtra la très bonne qualité de cette équipe hollandaise. Van de Beek qui a trouvé des quarts là. Sur son côté. Allez, l'intervention lyonnaise, le ballon contré. Yoann Martola qui se bat là, mais pour l'instant ça ne suffit pas. Ils ne se sont pas compris. Avec
Cerny, mais c'est pas terminé. Attention à cette frappe de D qui a allé contrer par Roselli notamment.